Eh bien, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez bien, j'espère que vous me recevez bien. Je suis Franck Payen et je vais être avec vous pendant une petite heure, et pour une heure et demie même. Et pour cette heure et demie, je suis accompagné de Christine Deschamps. Bonjour Christine. Bonjour. Bienvenue donc sur la chaîne YouTube Adobe France. Bienvenue pour ceux qui nous suivent du côté Behance, behance.net/live/fr, parce que je sais que vous êtes quelques-uns à venir là, et j'aime beaucoup vous retrouver là-bas, parce que quand je vous retrouve du côté Behance, je peux regarder vos portfolios, et j'avoue que je suis très curieux de découvrir des nouveaux talents. Nous sommes aujourd'hui sur une session Art and Talk que vous commencez à connaître. Ce sont nos sessions très régulières de fin d'après-midi sur lesquelles on reçoit des artistes de talent dans le domaine du cinéma, du jeu vidéo, du jeu tout simplement, tout un tas de très très grands talents qui ont largement fait leur preuve et qui nous en mettent plein les yeux tout le temps. Pour ceux qui ont suivi la petite vidéo qui était là juste pour vous réveiller au début, c'était l'annonce d'Adobe Max, qui est notre grande conférence, qui pour le coup aura lieu pendant 3 jours, du 20 au 22 octobre. Donc je vais vous mettre un lien pour Adobe Max pour que vous puissiez nous rejoindre, parce que quand vous allez nous rejoindre sur Adobe Max, vous pourrez vous inscrire. Il y a plein de choses à voir, il y a des tonnes d'artistes à suivre, il y a des tas de conférences à suivre et même des formations autour des outils graphiques, visuel, etc., etc. Vous verrez, il y en a pour tout le monde, il y en a pour tous les goûts, donc n'hésitez pas à jeter un œil là-bas. Je pense que j'ai fait le tour de la partie retape et promo de ce côté-là, et je vais pouvoir te poser la question importante du moment. Christine, qui es-tu? C'est une question sur laquelle je suis toujours hyper mauvaise, vraiment, donc je m'excuse à l'avance. Qui je suis? Je suis illustratrice, essentiellement, concept artiste aussi un petit peu, maintenant depuis une dizaine d'années, et je travaille essentiellement dans le jeu de société. Voilà, c'est un peu mon cœur d'activité, et j'ai d'autres expériences à droite à gauche, hein, et on verra ça après dans mon portfolio, mais c'est le milieu dans lequel je travaille le plus. Voilà. Bah écoute, parfait, parce que je pense qu'en quelques mots ça va parler à notre public. Je sais pas s'il y a des gens qui sont qui jouent beaucoup ici, qui jouent aux jeux de société ou autre. Je sais pas si vous avez déjà vu le nom de Christine sur quelques boîtes, parce qu'il y en a quand même quelques-unes. Il y a quand même des tas de choses à regarder. Il y a des chances. Il y a quand même des chances. Et puis d'ailleurs, je vais en profiter pour dire bonjour aux gens qui sont avec nous. Bonjour Émilien, Clémentine, Delphine, Nadine, Raphaël, Franck et Alexandre. Bienvenue du côté Behance. Et pour tous ceux qui sont encore du côté YouTube, bonjour à Angie Morillon, Mathieu, Laura, Yamag. Bonjour Yamag. Cyrielle, Florent, Jean Bûcher. Bonjour Benjamin. Etc, etc. Je pense que j'ai eu à peu près tout le monde, et je pense que t'es venu avec un peu de fan club, parce qu'il y a Mathieu qui nous disait Christine. Salut Mathieu, c'est gentil. Tout à fait. Toujours besoin de soutien, c'est toujours bien. Exactement. Et Angie qui nous dit, ah, enfin une fille. Mais on a plein de filles dans le Art & Talk. Pas toujours, mais régulièrement. On essaye d'avoir des filles dans le Art & Talk. Mais oui, voyons. Je pense qu'on peut démarrer sur un truc tout bête, c'est que je vais peut-être partager ton écran, comme ça on va pouvoir voir quelques images à toi, et tu vas pouvoir nous dire, nous montrer justement qui tu es, ce que tu fais. Dis-moi quand t'es prête, et je partage ce que tu mets en place. Je vais être prête dans un instant. T'inquiète, il n'y a pas d'urgence. Vous êtes tous là, vous avez tous le... Ouais, cool. Et là, c'est le moment où on lance tranquillement InDesign. Tout à fait, au lieu du PDF, parce que sinon... Ouais, tu peux lancer le PDF. Sinon, tu passes prêt pour faire des bêtises, quoi. Non, je ne vais pas lancer InDesign, parce que... Parce que non. Hop, non, pas aujourd'hui InDesign. Non. Alors, vas-y, lance le PDF, mets-le en plein écran, puis je partage. Aujourd'hui. Hop là. Donc... Et voilà. Super. Alors, je partage chez toi. On y est. On est chez toi. Allez, c'est parti. Je vous montrer un petit peu mon portfolio, et puis je vous en parler en même temps. Cool. Alors, c'est bien de bafouiller. J'ai partagé mon portfolio en deux parties.
Parce que, pourquoi? Parce que j'ai deux parties pour moi qui sont très importantes. Hein. C'est que j'ai une partie digitale qui est, à mon sens, un peu ma vie professionnelle. Mmh. Et j'ai ma partie traditionnelle qui est un peu plus mon plaisir privé, on va dire. Donc, je commence par la partie digitale et puis on ira vers le tradi après. Oui, carrément, carrément. Guide-nous et n'hésite pas, ouais, quand tu, si jamais il y a des images sur lesquelles tu veux appuyer, tu nous dis, si jamais il y a des trucs, enfin voilà, si jamais il y a des questions en plus. Carrément, carrément. Je suis ravie de répondre. Je réponds toujours mieux aux questions que je ne parle moi-même de mes trucs. Donc, alors je te poserai plein de questions. Eh ben, c'est parfait. Alors, la bonne première partie de mon book, ça va plutôt être des travaux perso. Mmh. Et après, je vous montrerai mes travaux pro. Et ça va permettre de parler un peu des caractéristiques du travail dans le jeu de société. Mmh. Voilà. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? J'ai envie de dire que peut-être dans le book, vous allez remarquer qu'il y a un peu des styles un peu différents. Ouais, carrément. Là, pour l'instant, c'est pas forcément hyper évident, mais vous allez voir après, j'essaie vraiment de diversifier plein de choses. C'est notamment pour essayer au maximum toujours de s'adapter aux clients. D'accord. Vraiment dans le jeu de société, on peut vraiment avoir plein d'expressions graphiques très différentes. Comparé par exemple à, je sais pas, dans l'industrie du jeu vidéo, il y a un style concept art qui est peut-être plus prégnant que voilà, dans le jeu de société, par exemple, mm-hmm. avec des codes assez précis, des techniques assez précises qui sont logiques parce qu'il y a besoin d'une forme d'uniformité pour les besoins du studio. Voilà, dans le jeu de société, c'est assez différent. On peut vraiment avoir plein d'expressions visuelles différentes, que ça soit très dessin pour enfants ou un peu plus adulte. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a vraiment beaucoup de styles différents. Aussi parce que, et ça c'est un petit peu une digression, parce que dans l'école que j'ai fait, qui est une école plutôt axée autour du graphisme et de la direction artistique. Ouais. La formation en dessin digital a été assez faible. D'accord. On a une formation dessin classique excellente. Je ne remercierai jamais assez cette école pour ça. Mais pour tout ce qui est technique plus moderne digital, il a fallu se débrouiller un peu toute seule après les études. Et donc, du coup, c'est pour ça que peut-être... je me sens moins uniformisée dans un process. Je me sens moins fixée dedans. Je ne sais pas si je m'exprime bien là-dedans. Hein. Mais voilà, par exemple, entre ça, bon exemple, hein, et ça, voilà, j'aime autant faire les deux. Ça me permet de répondre à plein de demandes différentes. Et aussi, peut-être, je vais plus facilement sur des choses différentes parce que je me sens moins... formaté entre guillemets dans ma formation. Ouais, t'as moins l'impression de rester enfermé dans ce qu'on t'a donné et tu te reconstruis au fur et à mesure. Tout à fait. Alors, ce qui peut être aussi très troublant pour les clients, parce que des fois, ils voient mon book et ils se disent, mais en fait, on ne sait pas trop qui tu es. Mmh. Donc, bon, de toute façon, là, je vous présente la version. Je l'appelle la super complète comme des crêpes, parce qu'il y a vraiment tous les styles. Mais oui, évidemment, de toute façon, en général, quand je présente un client, je réduis parce que je sais que sinon, ils vont me dire, mais je ne sais pas quoi faire de tout ce que tu me montres. Mmh. Voilà, ça, c'est mon go pour vous parler un peu plus de, du dessin dans le jeu de société. Mmh. Alors, moi, le jeu de société, ce n'est pas forcément quelque chose que je visais à la base. Quand je suis sortie de mon école... et qui, du coup, m'a pas tellement formée au métier de l'image dessinée, on va dire. Hein. J'avais pas tellement d'idées sur où est-ce que j'allais aller professionnellement. Un peu comme beaucoup de gens qui aiment le jeu vidéo, je me suis dit, ce serait super d'aller dans le jeu vidéo. Et je pense, de par mon manque de technicité post-école, un truc que j'ai un peu plus acquéri depuis, mais après l'école, c'était un peu juste. Et au fait aussi que du coup, mon diplôme ne spécifiait pas le fait que je connaisse un peu les pipelines ou ce genre de choses.
Ça a été une expérience qui, pour l'instant, n'a pas encore pu se faire. Et bah, j'ai réussi quand même à rentrer dans le jeu, mais suite société. Mmh. Faut quand même jouer les gens, mais pas pareil. Donc voilà, donc c'est parti. Ça, c'était un de mes derniers projets. Enfin, il date déjà d'il y a un an, mais c'est un de mes derniers projets mmh. qui était dans l'univers de la mythologie viking, évidemment. Pour qui ont reconnu le Drasil. Donc voilà, c'était super chouette. On a pu faire. Parce que je travaille souvent en collaboration avec Maëva De Silva. D'accord, c'est que j'ai vu dans le chat. Elle a dit bonjour Christine, je crois, tout à l'heure. Maintenant, elle travaille en tant que directrice artistique chez Libellude. D'accord. Mais on a beaucoup travaillé ensemble. Mm-hmm. C'est un projet qu'on a aussi, entre autres, travaillé ensemble. Voilà, donc on a fait plein de dieux de la mythologie nordique, c'était très chouette. Et d'ailleurs, sur des projets comme ça, le fait de travailler avec une directrice artistique, ça se passe comment ? C'est elle qui te donne les briefs ou c'est... Alors, pour le coup, ce projet-là, on travaillait à quatre mains. C'est-à-dire qu'on était freelance toutes les deux, c'était avant qu'elle passe à DA. D'accord. Et souvent, sur ces projets, alors ça dépend... C'est une très bonne question. En fait, ça dépend de pour quelle boîte tu travailles. Le jeu de société en France, c'est une industrie qui se porte plutôt bien. Il y a beaucoup de joueurs de jeux de société en France et on est plutôt réputé pour la qualité de nos produits. Mmh. Mais c'est, entre guillemets, un milieu qui s'est professionnalisé il n'y a pas très longtemps. C'est-à-dire que c'était beaucoup de gens qui étaient fans de jeux de société et qui se sont dit « je veux faire des jeux mieux que ce qu'on a actuellement ». Voilà. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à quitter le Monopoly pour avoir des trucs un peu plus excitants. Bon, ce n'est pas forcément une mauvaise chose, d'ailleurs. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Vraiment, parce que c'est arrivé le Monopoly. Voilà. Et donc, du coup, c'est vrai que sur pas mal de projets, on s'est occupés toutes les deux de faire la DA. C'est-à-dire qu'on n'avait pas de directeur artistique, on s'en occupait nous-mêmes. Je n'ai pas à souvenir d'avoir travaillé dans un projet où il y a eu un DA spécifiquement. C'était éventuellement quelque chose qui se décidait en accord avec évidemment l'éditeur. C'est que voilà, nous, on estime qu'en fonction du gameplay, en fonction de la thématique et en fonction de ce qu'il estime être la tranche d'âge des joueurs qu'il veut viser, mmh. ou même s'il vise des joueurs qui font des jeux plus légers, on va dire des jeux d'apéro, comme on appelle ça, ou un truc pousse-cube. Par exemple, là, le plateau, c'est un truc un peu plus compliqué. Hein. Mmh. Il faut se poser un petit peu. C'est quoi ? C'est du 2 heures de préparation de fiches de perso et de lecture des règles ? Pas à ce point-là, mais il faut prévoir un peu de temps. C'est pas hors rare, quand même. Mmh. Donc, voilà. Par exemple, pour ce jeu-là... on sait qu'on vise donc plutôt des joueurs aguerris, on sait qu'on va viser entre telle et telle tranche d'âge, donc du coup voilà, on sait qu'on va aller plutôt vers tel type de graphisme, ça va plutôt appeler tel type de personne, etc. Mmh. Est-ce que dans ces cas-là, toi tu te refais toute une pige d'images par rapport à ça, ou tu pioches plutôt dans ce que toi tu connais déjà, dans tes images à toi d'ailleurs? Alors c'est un peu un mélange des deux forcément. Mmh. Moi, je sais que pour chaque jeu, à chaque fois, je me refais une banque d'images. Ouais. Alors évidemment, c'est un peu lié aussi au goût personnel, donc il y a des choses qui peuvent se recouper. Hein. Mais alors c'est dommage, j'y ai pas dans le book. Mais par exemple, j'ai fait un jeu qui est plus axé sur un truc un peu plus enfantin avec des petits rongeurs mignons. Mmh. Bon bah. On va refaire une banque d'images sur des photos de rongeurs tout bêtes pour faire de l'observation d'après nature. Et puis, on va aussi aller voir du côté, chez Disney, par exemple, ou Pixar, voir comment ils rendent les bestioles mignonnes, n'est-ce pas? Et puis, on réfléchit sur ce qu'on va avoir au final, quoi. Donc, voilà. Alors après, par exemple, l'intérêt aussi de montrer ce plateau au-delà de l'aspect graphique, artistique, c'est aussi de montrer comment ça peut être compliqué pour un illustrateur de rentrer dans l'ergonomie du jeu, parce qu'il y a beaucoup d'informations à faire paraître et ces informations-là sont primordiales, bien au-delà en fait de l'aspect visuel, parce que si ton jeu est magnifique mais que personne ne comprend où est-ce qu'il faut qu'ils mettent leur pion, où est-ce qu'il faut poser les trucs, ça sert à rien, les gens joueront une fois puis leur plion et puis ils feront une mauvaise review et puis c'est fini quoi. Donc voilà, mais du coup c'est ce qui rend
c'est ce qui rend chaque projet intéressant, en fait, quoi. C'est le challenge entre le toi qui as envie de faire un truc le plus beau possible et puis voir aussi l'ergonomie que tu as et comment tu peux faire pour que, bah, que ça fonctionne, quoi. Voilà, c'était pour aller avec le livret de jeu. Ce projet était cool parce que en fait, l'éditeur est un fan de mythologie nordique à la base. Mm-hmm. Et donc, du coup, il y avait un petit livret à la fin qui faisait à la fois office de raconter un peu la mythologie nordique et en même temps de livrer scénario. Donc, c'était super cool. Hein. Voilà. Du coup, ça nous fait vraiment deux styles différents parce que, alors, moi j'avais pris le temps un petit peu de parcourir ton Insta, ton ArtStation et autres, et jusque cette image-là, tu nous as beaucoup présenté des images pleines de couleurs, vraiment peinture et tout, et là on voit un gros travail au trait. Oui, mais on va basculer là-dessus sur le deuxième bout. Alors, j'ai rien dit, fais comme si j'avais pas posé la question. Non, mais c'est bien, mais il y a un peu. Comment le dire, il y a un peu un genre de dichotomie, je sais pas comment faut le dire, ça fait un peu savant comme mot, hein. Et c'est vrai qu'il y a une vraie opposition entre ce que je fais en digital qui est souvent qui peut être un peu flashy, je sais pas s'il faut le dire comme ça, avec des couleurs assez saturées, enfin du coup pour le coup j'y vais vraiment dans la couleur. Et puis bah le travail au trait où là bon bah c'est le trait quand même. Voilà, quoi. Et est-ce que quand tu pars, enfin on aura peut-être l'occasion de voir ça après, mais quand tu pars sur des illustrations vraiment en peinture, t'as le même travail au trait en dessous ou pas forcément? C'est une bonne question. Ça dépend vraiment des projets. Là par exemple, ceux que vous voyez là, il n'y a pas de dessin du tout au trait. Enfin, il y a un croquis au trait, mais c'est parti rapidement en peinture. Alors que, tiens, on va remonter vite fait dans le book. Voilà, la nana en armure, elle part d'un dessin en tradi. Ouais. Et c'est moi qui me suis dit, oh, ça, j'ai envie d'une ambiance, allez, hop. Mais ça m'a pas empêché de faire disparaître tout le trait. Et d'ailleurs... c'est un process sur lequel je travaille actuellement et c'est un bon moment pour s'arrêter sur ces deux images là. C'est que j'ai envie de ramener un aspect plus traditionnel dans mon travail, que ce que je n'ai pas encore fait pour l'instant, soit même si c'est en full digital, mais avec des brushes qui me permettent de retrouver une touche moins lisse, moins propre entre guillemets, si je peux dire, ou voir carrément intégrer le dessin en tradi dans dans ma colorisation digitale. Et ouais, donc de vraiment repartir de la base et trouver des solutions techniques. Donc ça devient une question technique, en fait. Tout à fait, ça redevient une question technique, en fait. C'est que ces solutions graphiques, la digitale, correspondent beaucoup à un besoin professionnel de rapidité, de code graphique. Et moi, de mon côté, j'ai envie un peu de ramener cette passion que j'ai pour le tradi dans cet univers-là, en fait. Ouais. Même si, au final, dans mon process, finalement, j'ai réussi à trouver quelque chose où je ne fais pas de base tradi, mais où je retrouve une sensation en digital, même plus traditionnelle. D'ailleurs, je n'ai pas encore testé, mais c'est pour ça que Fresco, ça me... Ça te parle ? Ça me parle vachement. Je n'ai pas encore l'occasion de tester, mais j'ai très envie. Écoute, très envie. Et on ne l'a même pas abordé en préparation de la session. On n'en a même pas parlé, donc c'est... Écoute, pour une fois, ce n'est pas moi qui force le trait. Non, ce n'est pas toi qui force le truc. C'est... non, c'est moi. voilà, ça, c'est un des prochains jeux... que j'ai illustré, qui va sortir là bientôt. D'accord. Donc, j'ai le droit de montrer. Oui, je me doute que t'as bien ciblé. Que tout... Oui, voilà, ça c'est juste pour montrer un petit peu le fait que quand tu travailles dans le jeu de société, tu peux être amené à faire des choses plus graphiques. Comme j'ai une formation là-dessus, c'est des jetons tout bêtes, hein. Mais de savoir à quelle échelle tu travailles, du coup, à quel niveau de lecture il faut que tu te bases, si ton image va faire 10 cm ou si elle va en faire 2. Voilà,
ce genre de problématiques qui sont, mine de rien, importantes. Voilà, ça c'était aussi pour du jeu de société, mais sans des pistes qui n'ont pas été retenues au final. En fait, la cible a changé entre-temps et du coup on est parti sur un truc plus enfantin comme ça, et on n'a pas de représentation de Viking. Donc, Finalement, non. Bon, il est prêt, mais il ne va pas servir. Oui, mais c'est dommage, parce que en plus, je m'étais amusée comme une petite folle, surtout sur celui qui saute dans l'eau. Je m'étais vraiment bien amusée, et bon, c'est pas grave. C'est ça aussi, la question d'elle. Hein. Voilà. Toujours d'autres jeux, des props. Alors tiens, t'arrives au moment des props, et ça me permet de rebondir sur une question d'Andy Morillon qui nous disait... Quelle qualité faut-il avoir pour être concept artiste ? Est-ce que c'est différent d'ailleurs, illustratrice et concept artiste peut-être ? Excellente question. Alors moi, je suis plus du côté illustratrice, du côté concept artiste. Hein. C'est que j'ai des approches plus concept, mais... J'ai du mal à répondre à cette question. C'est une question qui est dure. On a le droit de botter en touche et de dire non, c'est pas. Non, très sincèrement, je ne veux pas faire de fausses réponses là-dessus. Moi, je peux donner du côté illustration les qualités qu'il faut. Hein. Pour moi, c'est toujours une question de réponse au client, en fait. Hein. J'ai un client qui me donne son brief, qui me dit c'est quoi ses besoins. Et c'est moi qui vais analyser et qui vais répondre à ça. Je suppose que dans une certaine manière, le concept art, c'est pareil. Après, le concept art, en fait, ça dépend aussi pour qui tu bosses. C'est-à-dire que n'ayant pas d'expérience dans le jeu vidéo, par exemple, hein, je peux pas parler en connaissance de cause, mais il me semble qu'entre un jeu AAA Ubisoft et un jeu fait par même une bonne équipe indé, je sais pas moi, les gens qui ont fait Bastion par exemple, ou ce genre de choses, qui commenceraient à mettre une grosse équipe, je suis à peu près sûre que les demandes visuelles sont pas du tout les mêmes. Je pense que l'important, c'est toujours de savoir que tu es un rouage dans une équipe. C'est-à-dire que tu n'es pas un artiste là tout seul à voir sa vision artistique et à l'appliquer peu importe ce qui se passe. C'est-à-dire que moi, là, par exemple, pour ces props-là spécifiquement, bon, bah, je ne me souviens plus exactement quelle était la taille des galettes. C'est un truc aux alentours de 10 cm. Voilà, donc je sais que mon props doit tenir sur une carte ronde de 10 cm. Voilà, je sais que... est-ce que c'est un truc de rapidité ou pas? Voilà, si c'est un truc de rapidité, peut-être qu'il faut que je fasse quelque chose de moins détaillé et avec des silhouettes très lisibles. Ou si c'est pas tellement un truc de rapidité, est-ce que je peux me permettre d'aller plus loin dans les détails? C'est ce genre de choses qui font que ça fonctionne auprès de ton client. Donc voilà. D'accord. Ouais, non, mais c'est très bien parce que je pense que ça peut, enfin, ça va répondre à ça. Laura nous dit d'ailleurs une question: comment est-ce qu'on approche des boîtes d'édition en jeu plateau? Ah, bonne question. Moi, j'aurais tendance à toujours privilégier les salons parce qu'un mail, ça peut ne jamais être ouvert. Et non pas parce que les éditeurs sont méchants, hein, c'est parce que tu sais pas à quel moment tu arrives dans la boîte. S'ils sont en train de boucler un projet, qu'ils sont en rush et qu'ils ont absolument pas le temps de regarder les books qu'on leur envoie, donc peut-être se mettre de côté pour plus tard, ou peut-être que ça risque d'être oublié, tout simplement parce qu'ils n'ont pas le temps maintenant. Alors que quand tu vas dans un salon, et Dieu sait si... Bon, alors, sauf cette année... C'est une année particulière. C'est une année particulière et on espère que ça ne s'étalera pas trop dans le temps. Mais voilà, 2021, regardez les festivals qui se font et essayez d'approcher les éditeurs à ce moment-là avec des books pas trop épais, parce que ça vite à regarder. C'est le même problème partout de toute façon. Il faut qu'un book soit regardé parce que les gens n'ont souvent pas le temps de toute façon. Et voilà, pouvoir faire une bonne impression à l'éditeur. Puis voilà, c'est vrai qu'en plus, comme pour toute industrie, en fait, c'est pas facile parce que les gens se demandent dans quelle mesure la personne va être capable de comprendre les besoins.
de l'éditeur. Voilà, dans tout, dans le jeu de vidéo, voilà, c'est comprendre les pipelines de production, savoir à quel moment tu interviens, qu'est-ce qu'on a besoin que tu fasses, la qualité de ton boulot et tout, la rapidité de ton travail, tout ça. Dans le jeu de société, ça va être capable, voilà, tiens, je vais retourner sur un plat, ça va être capable de se dire, voilà, tu as cette silhouette-là avec les découpes-là à l'intérieur, il faut que tu aies 3-4 zones, voilà, et puis il faut aussi des endroits où tu poses tes pions et tout. Comment tu te démerdes pour faire ça ? Et sans péter un plomb, parce que voilà, l'endroit où tu poses tes pions, ça fait chier, tu voulais mettre un truc là en dessin, du coup ça change toute la compo de ton image, t'es pas content, blabla. Voilà. Ça qui peut être la question primordiale pour un éditeur. Ouais, carrément. Mais alors, du coup, sur une illustration comme ça, justement, où tu as toutes ces contraintes techniques, où tu es au-delà du jeton avec 10 cm cercle, qui est, à la limite reste facile, est-ce que c'est des choses que tu vas continuer à faire selon le même process de dessin à plat plus couleur, ou est-ce que tu vas avoir beaucoup plus de recomposition, calque et autres Oh là là, ce truc-là, c'est un bordel de calque. D'accord, fin, bon, bah c'est une bonne réponse. Je pense que j'en avais genre 150. Ah ouais, non. Là, pour le coup, sur la question de ramener le traditionnel, c'est peut-être pas dans ce genre de projet que je l'aurais fait. Non, parce que mine de rien, sur ce genre de choses-là, il y a beaucoup, beaucoup. Alors, je regarde et je pense pas que ce soit la version finale parce que je vois qu'il y a des petits schmurfs de dessin dans les branches. Mais c'est pas grave, c'est quasiment une version finale. Un plateau comme ça, c'est des allers-retours incessants avec son éditeur. C'est, voilà, regarde, j'ai organisé comme ça. Est-ce que tu penses que c'est bon? Ah merde, en fait, la taille des jetons, je pense qu'on va devoir l'agrandir, vu le truc. Voilà, donc pour moi, là, sur ce genre de choses, c'est évident que tu peux, il faut être full digital, être prêt à tout découper, tordre. Recommencer, reperdre les trucs sur lesquels tu avais l'intention de mettre le focus. Dupliquer, je pense aux feuilles notamment. Voilà. Voilà, où est-ce que j'en étais ? On était au props. Voilà, donc ça, c'est toujours d'autres illustrations dans le jeu de société. Voilà, toujours pour aider la diversification des styles. Ça, c'était pour du jeu de rôle. Ouais. Je crois que c'était ma première participation à un truc de jeu de rôle. C'était très cool. Très cool. Et encore une fois, un autre style. Pour le coup, du line, ouais. Là, c'était un mélange line. Alors, sur ce projet-là, comme pour beaucoup de choses dans le jeu de rôle, comme il y a beaucoup d'illustrations, on demande souvent à beaucoup d'illustrateurs, ne serait-ce que pour tenir les délais. Donc, souvent, c'est très diversifié graphiquement. Voilà, moi, j'ai choisi ce style-là. Il me semblait assez percutant pour les besoins du projet. D'accord. Cyrielle nous demande, tu as pas mal de styles graphiques différents. Comment mettre en valeur les différents styles sans passer pour un artiste instable ? On dit souvent qu'il faut choisir. Alors, est-ce qu'il faut choisir ou pas ? Je peux pas répondre à cette question. En tout cas, ça a l'air de marcher. Pour moi, comment dire ? Je suis souple. Plutôt, j'allais dire fluctuante, mais non, je préfère le terme souple dans mes techniques, parce que ça me permet de répondre aux besoins du client. Voilà. Donc, du coup, j'estime que ça me permet déjà d'élargir ma clientèle, simplement. Après, je sais que si je vais démarcher un client, je vais regarder sa gamme éditoriale et je sais qu'il y a des choses que je ne vais pas lui proposer. D'accord. Et voilà. Du coup, lui, il va moins se demander « Waouh, cette personne se propose, mais qui est-elle » Enfin, genre, si je lui demande une illustration, qu'est-ce qu'elle va faire ? Voilà. Ou alors, c'est un client qui ne sait pas du tout ce qu'il veut et au contraire, bah là, du coup, je suis genre « Regarde !» Regarde et choisis. Choisis là-dedans, je fais ça. Voilà. Et alors, il y a un autre détail qui est un peu plus terre à terre. C'est que aussi ça me permet de diversifier mes fiches tarifaires. C'est-à-dire que entre un dessin à la line plus couleur ou un dessin full peinture, ça me permet d'avoir des tarifs quand même très différents. Et ça me permet de toujours être viable en fait. C'est-à-dire que
y a des clients clairement qui pourront jamais mettre certains tarifs. Alors soit non et puis tant pis. Et de toute façon, bah, au bout d'un moment, enfin, j'ai apporté ça d'un tarif, c'est de toute façon. Mais voilà, si c'est un peu juste, moi, je sais que voilà, un rendu comme celui-là, je peux le faire en temps de temps et que du coup, ça rentre dans le budget. Il y a vraiment une notion d'adaptation à la demande du client, que ce soit dans le style, dans le temps, dans la rapidité d'exécution. Je ne sais plus où je lisais tout à l'heure sur les concept art étaient moins perfectionnistes. Perfectionniste, c'était plutôt pour l'illustration, et concept artiste, il fallait tomber plus d'illustration. Est-ce que ça fait plus de dessin? Est-ce que ça te parle, ça? Alors, encore une fois, mon expérience concept art est suffisamment limitée pour que je ne puisse pas dire je suis experte là-dedans. Hein. Encore une fois, je suppose que ça dépend du client. Mmh. Je pense que c'est une question de rapidité. Oui, c'est aussi une question d'adaptabilité, en fait, je pense surtout. D'être capable d'avoir un retour client et de pas péter un plomb dans les retours. J'ai un exemple comme ça, c'était pour un jeu de société. La couverture, c'était pour un jeu de société, Le Petit Prince, adapté du film qui était sorti il y a, je ne sais pas, 6 ans, donc, peut-être un peu plus. Mm-hmm. Et le plateau était dans des teintes un peu plus bleues, on va dire bleutées, et donc du coup, non, plus jaunes. Du coup, on s'était dit, on va faire une couverture bleutée. Enfin, bon, bref, peu importe. On était parti sur principe d'une couverture bleutée. La nuit, les étoiles, tout ça, Le Petit Prince, c'était mignon comme tout. Et puis, l'équipe marketing a fait, nope. On veut du jaune. Vraiment. Et puis, alors là, le truc, c'est genre, bah, c'est pas possible. Enfin, même si tu bidouilles à fond Photoshop, passer d'un bleu au jaune. C'est plus la même image. Donc, on recommence. Ouais. Donc, on recommence tout. Et je pense que c'est une problématique encore plus forte quand tu es dans le concept, je pense. Parce que peut-être tu es dans une industrie qui est plus grosse et qui demande, qui font intervenir plus de gens et donc plus de possibilités que bah, y ait des changements de brief ou ça pose un problème à tel niveau de la chaîne. Et du coup, bah, il faut changer et tu n'as pas le choix. Mmh. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Je pense qu'il y a ça. Et okay. Yamag nous dit la version Marc Osborne. Je pense pas que je comprenne. Alors, Marc Osborne, qui est réalisateur du Petit Prince en 2015. Il comprend pas toujours, mais c'est pas grave. Le Petit Prince, c'est pas grave. C'est sur les années. Oui, t'inquiète, on ira rechercher sur Wikipédia après, tranquillement, au calme. D'accord. Ok. Voilà, donc bon, comme j'ai dit, hein, c'est mon boucle là, super complète, hein, donc on touche au but. Hein. Donc voilà, toujours dans du jeu de société, différents styles. Et alors ça, c'est pour finir, c'est pour la blague pour finir. Enfin, la blague. C'était pour un projet d'animation. Mmh. Ça aurait dû être un projet d'animation fait par un des réals de Ah mon Dieu, je perds mes mots au moment où il faut pas, tiens. Des minicams, voilà. D'accord. Et il avait un projet d'animation et c'était sur une thématique un peu fou du volant. Et c'était au tout début, hein. C'est-à-dire que c'était faire un dossier pour aller après demander l'argent. Hélas, l'argent n'est jamais venu. Mais voilà, donc c'était quelques recherches pour ce projet-là. Je m'étais vraiment amusée comme une folle. Hein. Vraiment, surtout. Petit poussin, je me souviens vraiment être amusé, très 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 fort dessus. Le montage de dossier sur lequel on se fait plaisir. Exactement. Mmh. Bon, au moins, on s'est fait plaisir. Hein. C'est l'important. Ça aurait été encore plus présent qu'on a eu les budgets, mais bon. Ouais. On sait que c'est pas facile, là, surtout en France. Et donc voilà. Mais écoute, c'est très bien. On a fait le tour de la super complète. Hein. Je suis ravie. Très très bien. Écoute, merci pour la petite promenade technique. C'est plutôt une bonne chose. J'ai masqué ton écran, t'inquiète, tu peux, tu
peux naviguer parfait. Tranquillement. Oh, bah, non, mais de toute façon, je n'ai rien à cacher. J'ai tout prévu. En tout cas, Julien Serreur nous dit « Ah ok, je comprends mieux pourquoi j'ai rarement eu des réponses par mail. » Des éditeurs de jeux et autres. Ah oui, il y a du monde. C'est dur, hein, mais enfin, très sincèrement, mes envois de mail n'ont jamais servi à rien. Hein. Ouais. Pour retourner à la question là de la, je sais plus qui a posé la question sur comment obtenir un premier rendez-vous avec un éditeur. Mmh. Moi, ça s'est fait pour le jeu société. Hein, arrivé dans le jeu société, ça s'est fait par. Je suis allée à la Comic-Con. À l'époque où la Comic-Con, c'était un tout petit truc au sein de la Japan. Et la Comic-Con, c'était à peine une Comic-Con. C'est-à-dire qu'il y avait 2-3 vendeurs de comics. Et puis le reste, c'était un peu des stands de GN, ce genre de truc avec des épées en mousse, ce genre de machin. Et il y avait un monsieur qui était éditeur de jeux, mais qui pour l'instant faisait que des magazines de jeux de rôle, qui m'a fait bosser, moi et à l'époque Maeva, ensemble sur une couverture et 2-3 illustrations au sein de son magazine. Et puis après, c'était « Ça vous dit de faire un jeu ?»« Ah bah allons-y !» Et puis c'était le premier truc. Et après, c'est en allant au festival, en allant voir les éditeurs, ou même tel éditeur qui fait « Ah tiens, regarde, rencontre ta personne, voilà, je bosse avec elle. » Et du coup, ça s'enchaîne parce que t'es présente dans le jeu et du coup, les gens suivent. Ouais. Parce que, en fait, pour mettre un premier pas dans le truc, il y a un facteur chance qui est indéniable. Au-delà d'avoir un bon book et tout ça, évidemment, qui sont les bases, hein, mais pour réussir à enclencher le truc qui fait que ça commence. Des fois ça va être un mail qui va être reçu et qui va être lu et bien reçu, et puis des fois ça va être quelqu'un qui va traîner sur ArtStation et qui va voir ton truc, qui va t'envoyer un mail, et puis des fois c'est toi qui va dans un salon et qui dit salut, laisse-moi travailler quoi. D'accord, voilà. Ouais, carrément. Alors est-ce que tu veux du coup je repartage la suite? Oui, c'est parti. On est chez toi. Là on est chez moi. On est chez moi. Bienvenue. c'est noir et blanc chez toi. Alors, chez moi, c'est noir et blanc, mais j'espère que vous appréciez, hein, parce que la suite des événements sera en noir et blanc. Ce que j'ai prévu pour vous après. Ne réglez pas vos télévisions, tout ça, tout est normal. Ne réglez pas vos télévisions, il restera en noir et blanc de toute façon. Donc voilà, ça, c'est mes petits kiffs personnels. C'est... Alors, je vais digresser un petit peu là-dedans. Je vais digresser un petit peu. Comment dire ? Je voudrais pas avoir l'air un peu... Non pas que je me sente vieille, hein, mais mes premiers abords avec le dessin, ça a vraiment été l'abord tradit. C'est-à-dire, t'as un papier, t'as un crayon, et puis allons-y, fais-toi plaisir. Et ça date de, enfin, quand t'es dans tout petit, c'est ce que t'as sous la main. Et j'ai vraiment l'impression d'être cette génération qui a grandi en même temps que la technologie et qui est peut-être était juste après. Donc tout ce qui est tablette, cinétique, tout ça, pour moi, c'était des nouveautés. C'est des choses avec lesquelles ces trucs-là sont nouveaux, c'est cool, allons-y, j'essaie pas, est-ce que c'est vraiment bien, est-ce que c'est pas bien, voilà, maintenant je vois des plus jeunes que moi qui sont nés dedans. Oui, pour qui le scanner ça parle pas peut-être. Exactement, enfin, c'est genre quel intérêt de se faire chier avec un papier, scanner, devoir nettoyer ton scan, qui ont grandi avec un stylet et qui, voilà, ça fait partie de leur truc. Moi, j'ai grandi avec un papier, un crayon, et c'est là où s'est fait l'amour du dessin, quoi. C'est avec cette sensation-là, et c'est cette sensation que j'essaie de retrouver un peu désespérément jusqu'ici en digital. Et du coup, j'ai grandi avec cet amour du papier et du crayon. Enfin, ce truc que tu sors n'importe où, n'importe comment.
T'es dans le métro, il y a quelqu'un qui est bizarre, t'as envie de dessiner, c'est parti, allons-y, tu vois. T'as vu des gens comme ça plonger dans un univers de lait dans le métro en armure? Je sais pas où tu prends le métro. Très sincèrement, j'ai pas vu ça dans le métro, mais. Tu me rassures. Je suis persuadée que si tu traînes suffisamment longtemps dans le métro, t'as plus jamais de problème de car design. Vraiment. C'est pas faux. Mais vraiment. C'est. Si tu regardes vraiment les gens. Je me souviens une fois, il y avait un monsieur dans le métro qui était genre tiré quatre épingles, beau costume et tout. Et c'était très rigolo, il avait les ongles avec du vernis dessus, de plusieurs couleurs, genre rouge, noir et vert, je crois, je ne sais plus exactement. C'était hyper bizarre parce que ça ne collait pas du tout avec le reste du personnage. Et bon, bref, des trucs, bon, et ça c'est juste un détail, hein, mais des trucs bizarres dans le métro dessus. Enfin, donc voilà, mais oui, non. Il y a des gens dans le métro, tu les vois, t'as besoin de les dessiner. Hein. Alors maintenant, j'ai plus de métro proche de chez moi, mais c'est pas grave. Pas des trucs pour autant. Donc voilà, aussi. J'ai réfléchi ça il n'y a pas longtemps. J'ai beaucoup grandi en. Mes parents ont beaucoup traîné au musée quand j'étais toute petite. Beaucoup, 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 beaucoup. Et je pense que ça m'a donné un certain goût pour déjà les univers médiévaux. Et je pense aussi à tout ce qui est peinture. Les références classiques, c'est quelque chose, c'est pas forcément quelque chose qui soit des masses dans mon digital, mais c'est quelque chose que je regrette parce que l'énergie de la touche en peinture, c'est quelque chose qui personnellement moi me fascine. Donc bon, voilà. Voilà, voilà. Si jamais il y a des questions, faut pas hésiter, hein, parce que. Oui, on est toujours. J'en filtre, je t'en garde quelques-unes pour tout à l'heure sur le travail, sur le jeu de société, tout ça, mais t'inquiète. D'accord. Ça vient. Et puis on a toujours 30 secondes de décalage avec les gens qui nous regardent. D'accord. Donc le temps que les questions débarquent, t'inquiète. Aucun problème, bien sûr. Voilà, alors ça. Voilà, pour beaucoup, ce sont juste des images digitales. Là, depuis quelque temps, des images en tradi. Mmh. Et depuis quelque temps, je prends ces images en tradi et j'essaie de les pousser un peu plus en digital. D'accord. Tout simplement, soit parce que certaines intensités noires sont difficiles à obtenir juste en graphite, soit pour se rattraper de certaines erreurs qu'on peut faire au bout d'un moment. Tu peux plus gommer et puis faut récupérer quoi. Soit pour le plaisir de compléter, enfin bref. Donc voilà, beaucoup d'études aussi. Et alors études, c'est d'après modèle vivant ou c'est d'après photo ou c'est En soi, je recommande toujours le modèle vivant. J'en ai fait toutes mes études et je crois qu'il n'y a rien qui remplace un modèle vivant. En progression de dessin. Après, en vrai, moi, je fais plus de modèle vivant. Donc, dessiner dans le métro, c'est un genre de modèle vivant. C'est intéressant. moi, ces dernières années, mes études se font d'après photo. D'accord. Ouais. Donc, on peut être dépendant, du coup, de matériel qu'on trouve sur Internet. Ce qui est un peu dommage, ou profiter de ses voyages pour se faire des banques photos et puis faire ses études d'après son propre matériel. Après, surtout ce qui est corps et visage, c'est compliqué quand même. On risque pas tellement de croiser quelqu'un nu dans la rue pendant ses vacances et les prendre en photo en référence, sauf si on est quelqu'un vraiment bizarre à la plage. C'est pas faux. Il y a Laura qui nous dit, je suis étonné parce que ton style s'accorderait super bien à des livres de jeux de rôle façon Donjons et Dragons. Ou... Est-ce que t'en as fait? Parce que tu disais que pour certains projets, t'avais fait un peu de jeux de rôle. Mais... Alors le jeu de rôle, c'est quelque chose d'assez nouveau pour moi finalement. C'est marrant parce que je pensais que ça arriverait plus tôt dans ma vie professionnelle. Après, pour être tout à fait honnête, ma vie professionnelle a été partagée pendant un bout de temps, c'est plus le cas maintenant, mais entre le dessin et un job alimentaire. Du coup, ce qui fait que
j'ai beaucoup pris de projets qui venaient tout seul à moi. J'ai eu beaucoup de chance là-dessus, sur les projets dans le jeu de société. Ce que je disais, c'est un peu un truc qui s'est enclenché tout seul. Et du coup, on est venu vers moi, on m'a proposé des projets. J'étais genre, oh, super cool, allons-y, faisons-le. Voilà, le jeu de rôle est arrivé à moi là, très récemment. J'ai travaillé pour les Champs de l'Os et pour Capitaine Voodoo. Mm-hmm. Voilà, donc il y en a un qui est un genre de steampunk, d'avancée steampunk, mm-hmm. donc un steampunk renaissance, et l'autre qui est dans un univers de piraterie et de voodoo. Donc deux trucs complètement différents. Et effectivement, pour le coup, le travail en tradi ou typé tradi peut vraiment s'y prêter. Mmh, vraiment, là où c'est plus rare pour le jeu de société, pardon, où bah il faut des images plus plus colorées, plus ludiques. Voilà, plus attractives peut-être, parce que c'est vrai que l'attraction pour le noir et blanc, c'est pas forcément quelque chose qui est. En fait, je sais pas, les éditeurs ont toujours très peur du noir et blanc. Mmh. Je sais pas si le public, lui, serait tellement contre le noir et blanc au final. Je pense quand même que les gens sont pas très. Je sais pas comment ça sent. Ça dépend du public. Il y a peut-être, comme sur le jeu de rôle, il y a plus une dimension narrative, récit long, des histoires. C'est peut-être là-dedans qu'on retrouve cette histoire de noir et blanc. Tout à fait. Voilà, justement là, cette petite brindille qui mange une tête d'insecte, c'est ce vers quoi on va se diriger après, si j'ai réussi à faire ce que je veux. Voilà. Et Julien nous demande, est-ce que tu connais le meilleur salon de jeux de société ou de jeux de rôle à Paris? Il n'y a pas des masses en fait. Il n'y en a qu'un seul, c'est Paris Ludique. Qui a lieu, à ma connaissance, qui a lieu en juin-juillet, enfin, qui n'a pas eu lieu cette année encore. Voilà, donc on espère qu'il aura lieu l'année prochaine, mais oui, c'est juin-juillet. C'est du côté du Paris-Dauphiné. Bon courage, prenez des bouteilles d'eau, c'est souvent le Mordor là-bas, l'été. C'est des grands terrains tout bétonnés ou graveleux. Et qu'est-ce qui fait chaud, je connais. C'est ça, puis ça ne peut pas s'améliorer en plus. Mais l'espace le permet. Donc c'est très bien. Donc voilà, je vais continuer à faire des fils en même temps. Toujours en tradi, du noir, du bleu. Toujours en tradi, alors ça dépend, hein. Là c'est du feutre tout simplement, c'est même des feutres japonais qui sont super, là, les kuritake, tapissiers, qui aiment les feutres. Alors souvent il y a des mélanges, hein. C'est pas que le blanc c'est du Posca, le noir c'est essentiellement du kuritake, ou voire un feutre pinceau, voilà. Ça par exemple c'était du bic. D'accord. J'adore le dessin en bic. C'est super cool le dessin en bic. Ça aussi, c'est deux dessins en bic. Et voilà. Je crois que c'est la fin, ça, normalement. Écoute, même si c'est la fin, c'est vachement bien. Est-ce que ça vous a plu, les gens, dans le public? Parce que pour l'instant, j'ai pas mal de messages d'amour, de messages de... Alors, Franck nous dit, c'est très bien fait, en tout cas. Ouah, yes, c'est super, salut. Qu'est-ce qu'on nous dit encore? Non, mais tout le monde a l'air très, très content. Tout le monde, tout le monde trouve que c'est chouette. C'est bien. Alors, du coup, si ça intéresse les gens dans le chat... je peux montrer 2-3 dessins qu'ils ont vus en digital, en vrai, avec la caméra. Tiens. Ça peut leur permettre de se rendre compte de l'échelle de travail ou pas. Et ben c'est parti, et vas-y, je te... J'ai montré un dessin sur lequel je bosse depuis des années, qui est un format raisin. Raisin, qu'est-ce que je raconte? C'était ça mon format raisin, grand aigle. Ben écoute, c'est parti, je suis nul en format, mais raisin et grand aigle, ça a l'air grand. Allez, c'est beaucoup trop grand. Beaucoup, beaucoup trop grand. Hop là, alors. Hop, la vraie pochette à dessin. J'ai tout prévu. Je suis impressionné.
C'est l'avantage d'être stressé en pré-bateau à l'avance. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer? Tiens, celui-là, il avait pas mal plu. Hop. Du coup, pour l'avoir en complet. Hop. Je sais pas si ça vaut. Ouais, t'es dedans, c'est bien. Donc, ouais, celui-là, c'est celui que tu avais en deux versions, un blanc tradi et un noir numérique avec des réos sur les. Ouais. Du coup, voilà, l'intérêt de rebosser en digital comme ça, ça me permet de pouvoir densifier certaines ombres, de pouvoir repopper certaines choses, de refaire des ombres globales, là où ça commence parfois à devenir un petit peu compliqué juste en tradi. Mm-hmm. Juste avec son crayon. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Tiens, à l'échelle. Tiens, celle qui est passée en digital après, hop. Donc, j'appelle ça, mais pour ceux qui me suivent sur Facebook, j'appelle ça des gribouillis et j'adore parce que ça rend les gens fous à chaque fois. Ils sont genre, allez, ouais, c'est un peu agaçant quand tu fais des gribouillis comme ça. Ça fait. Il y a Andy Morillon qui nous dit que ça ferait un super tatouage. C'est des choses qui sont arrivées avec tes dessins ou pas encore? Oui. Oui, c'est arrivé. Alors, je tatoue pas. Je tatoue pas et j'avoue que c'est quelque chose qui me. Je me pose la question des fois. Ça titille un peu. C'est un truc complètement à part, hein, mais c'est vrai que c'est attirant. Et puis ça m'interpelle parce que c'est vrai que ça m'est arrivé assez souvent d'avoir des gens qui me demandent de faire des designs de tatouages, mais je sais que pour beaucoup, enfin les tatoueurs aiment être à l'origine de leur propre design et du coup. C'est à la fois quelque chose que j'ai envie de faire parce que l'idée d'avoir un design qui est sur quelqu'un, c'est vachement excitant. Ouais. Et en même temps, je me dis, est-ce que je ne suis pas en train de faire payer quelque chose qui... Bah, ça se trouve, la personne... Qui va frustrer l'artiste. J'en ai fait un une fois, j'avais fait tout un design pour quelqu'un qui voulait se faire recouvrir le dos parce qu'il avait quelque chose en haut et en bas du dos qui ne lui convenait plus. Bon, les goûts changent. Hein. Donc, j'avais fait un design d'un... merde, comment ça s'appelle les démons japonais avec les traits longs nez. Un Tengu. Merci, j'avais Tanuki en tête, aucun rapport. Le résultat final était tellement différent que j'étais. Il était très content, et c'est pas un problème de qui est mieux ou moins bien. Hein. Mm-hmm. C'est merde, je t'ai fait payer un design et finalement ça n'a pas eu lieu. Ça n'a pas tellement. C'est un peu le risque avec le tatou. Oui, complètement. Attends, rapproche-le pas trop parce que là t'es en train d'arriver aux grands aigles. Ils s'envolent, on voit rien. Je vais mettre au bout de la. Qu'est-ce que je peux vous montrer de. Tiens, ceux-là, qui ont eu beaucoup de succès. Bah, c'est oblique, justement. Ben oui. Carrément. Il joue un petit peu, mais bon. Hop. Allez, et puis pour changer, si on commence à parcourir mes cartons, on n'est vraiment pas sauté de la berge. Et je ne sais pas. Parce qu'on va te regarder dessiner à la fin. Ah, mais dis donc, oui, donc tu fais de la couleur en tradi aussi. Oui, alors ça, c'est quelque chose, il faut avoir un peu de temps hein, pour sortir de la peinture. Il faut avoir le temps de se tâcher. Du coup, c'est pas quelque chose que je fais très souvent, mais c'est dommage parce que j'adore. Hop, un petit dernier pour la route. Et puis, alors, juste pour le fun. Mais vraiment pour le fun. J'enlève mon casque deux secondes. Je t'en prie. Et là, tu vas au fond de la pièce. Là, elle peut pas entendre ce qu'on dit. Attention. Qu'est-ce qui se trame? Alors je sens que là on n'est plus du tout sur la petite série de petits dessins mignons. Ah bah oui, voilà. Et on l'entend tellement pas de loin. C'est le moment de remettre le casque parce qu'on t'entendait tellement pas de loin. Oui. Christian nous dit magnifique personne et Delphine nous dit j'adore tes gribouillis. C'est gentil. je vais essayer d'en faire plus. Je vais essayer d'en faire plus. Et Cassis nous dit bravo, c'est top, c'est crayonné. Donc... Merci. Merci beaucoup. Ça me touche vraiment beaucoup. Alors, qu'est-ce que j'ai prévu pour aujourd'hui? Du coup, comme je suis une fille stressée, j'ai prévu des trucs à l'avance parce que sinon, c'est pas possible. J'ai fait un dessin. Oui. Je peux vous montrer en vrai.
je vous montrerai le scan et puis je vais aussi vous montrer les références. Ah bah carrément. Parce que du coup, je trouve ça bien de montrer un peu un process global. Ouais. Donc, on va commencer par la bestiole originale. Hop, je te remets en grand. Tic. Alors, tiens, on va même montrer les différents process. Bon, je me suis appliquée là. C'est vrai que ça peut vraiment m'arriver, surtout pour les gribouillis. J'appelle ça gribouillis parce que souvent, en fait, je prends le crayon et puis je dessine un peu ce que j'ai en tête, même si j'ai deux, trois rêves devant moi. Souvent, je ne fais pas de dessin préalable. Hop, je me lance et puis c'est réussi, tant mieux. Si c'est raté, bah tant pis. Donc, et c'est le cas vraiment pour quasiment tout ce que vous avez vu dans le book en tradi. C'est-à-dire que voilà, c'est un truc, hop, c'est sorti, super. Bon, pour aujourd'hui, je me suis un peu plus appliquée. Donc, du coup, ça peut être des petits croquis comme ça pour réfléchir à l'avance. Et puis on va retravailler un peu plus grand pour peaufiner. Voilà, pour réfléchir. Et puis après, on a le truc en vrai. Ah oui. Oui, qu'on ressentait pas tellement dans les premiers petits croquis pour le coup. C'est le truc pour réfléchir vite, hein. Je suis une fille assez impatiente, donc je suis assez impatiente dans les premières étapes. C'est-à-dire que je suis souvent assez pressée de me lancer, ce qui fait que souvent mes dessins sont mal cadrés sur mes trucs en tradi. Donc du coup, c'est d'où l'avantage aussi de pouvoir retravailler un petit peu en digital après. Donc du coup, après, donc on a un super scan. L'écran est partagé là, c'est bon. Pas encore, ça vient. Encore. Hop, voilà, on est chez toi. Super. Donc du coup, on scanne, la magie du scan qui fait que ton trait est tout clair et que c'est pas très beau, et qu'en plus il y a des taches. Hop. Mais même après, en nettoyant la vitre. Franchement, il y a toujours une petite poussière qui se balade, il y a toujours un truc. Et puis en plus, quand t'as deux chats comme moi, t'as jamais à l'abri d'un truc imprévu. Donc du coup, j'ai rattrapé mon petit décalage de cadrage, je lui ai fait une jambe et puis j'ai fini son siège, enfin son trône plutôt. Et puis voilà, et c'est là-dessus qu'on va partir. Cool. Ok, alors. Bienvenue dans Photoshop. Bienvenue dans Photoshop, prenez une place. Hop là, je bois un coup. Donc, pour celui-là. Ce que je fais, alors surtout dans mes digitales, mais aussi dans mes 100% digitales, pardon, mais aussi possiblement dans mes tradir touchés, c'est que je me fais souvent des petits masques pour m'aider si jamais j'ai besoin de faire un gros contraste, une silhouette, ça me fait une sélection rapide et facile et voilà. Donc, j'ai fait une silhouette globale pour le personnage. Et puis, je me suis fait un tout petit rough très rapide sur là où j'avais envie d'aller. D'accord, ouais. Donc, tu cales peu de valeur, mais au moins, les lumières sont calées. Oui. Parce que, après, c'est juste, si je pousse plus loin mon rough, je sais que je vais commencer à rentrer dans les détails. Je vais commencer à faire les gnagnagnas, et puis ça ne servira à rien. Donc, voilà. Je réfléchis une première fois sur... Est-ce que si je fais cette ambiance-là, ça me plaît, ça me plaît pas? Éventuellement, je jette mon ref si je me dis, en fait, c'est n'importe quoi, c'est nul. Et puis, voilà. T'en jettes beaucoup des refs? Ou uniquement quand c'est des calques Photoshop? C'est assez rare que je jette un dessin. Même les ratés. Même les ratés, parce que. Alors, sauf si vraiment ils m'ont frustré. Hein, et en quelque sorte, je déchire et puis une poubelle. Mais j'aime bien garder mes dessins ratés aussi, pour pouvoir les re-regarder après. Et savoir si genre, j'étais de mauvaise humeur ce jour-là et c'était vraiment raté. ou tout simplement parce qu'il y a souvent quelque chose à en apprendre de toute manière. C'est parfois un peu douloureux, mais c'est pas un mauvais exercice de se fixer là-dessus. Alors, est-ce que je suis en niveau de gris? Non, bon, pas grave. Sinon, j'aime bien avoir des gris un peu colorés. C'est parti. Bon, du coup, il y a une chance que je devienne un peu plus silencieuse. Alors, je vais essayer de meubler ou de chanter, peut-être. En fait, je vais demander au public de me proposer une chanson et Non, mais je vais essayer de commenter en parlant, mais c'est vrai que des fois on devient silencieux sans se rendre compte parce qu'on se concentre et puis voilà.
mais le cœur y est. Hein, non, je fais n'importe quoi là. Hop. Alors, du coup, je vais partir sur un fond. Bon, de toute façon, je reste en noir et blanc, donc je vais partir sur un fond neutre. Parce que sur cette, sur ce, c'est un peu comme quand on fait en tradit, hein, quand on part sur un. C'est beau d'avoir les mots en tête. Les mots, c'est important. Mmh. Quand il fuit, c'est pas grave. Il faut reprendre le crayon et tout va bien. J'ai pris le stylet, puis mon cerveau, il est parti ailleurs. C'est un peu comme quand on part sur une mi-teinte. Hein. C'est-à-dire que voilà, on peut partir autant vers les couleurs claires que vers les couleurs foncées. Donc, en gris de base, j'essaie de prendre un truc pas trop foncé. Bon, de toute façon, on s'en fiche parce qu'on est sur Photoshop et c'est ça qui est magique. Hein. C'est-à-dire que, alors, c'est vrai que l'avantage, hein, mais de rien, sur Photoshop, c'est qu'on se sent vachement plus détendu, quoi. Oui, tu sais que tu peux annuler. Tout à fait. Fait, non, mais mine de rien, c'est genre. C'est quand même très sympa. Hop. Allez, on va y aller. On va commencer à placer les ombres grossièrement, puis après, on va beaucoup trop foncer. Et puis après, on va y aller petit à petit. Hein. Beaucoup trop foncé toujours. Ouais, la vampire, je retoucherai après. Hop. Donc, là, en fait, ce que je vais faire, quelque part, c'est un ref avancé. Hein. C'est-à-dire que je vais placer rapidement. Je ne sais même pas si je vais faire partout. On va voir, ça dépend. Peut-être que je vais travailler qu'une seule zone, comme ça fera un truc à regarder aux gens. Parce que si je travaille tout dans la globalité, il n'y a rien qui va vraiment avancer. D'autant plus qu'il est 17h. Donc, on va se concentrer sur le visage, puis le haut avec la fourrure, le bijou. Puis voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais globalement poser à mes ombres et mes lumières. Mmh. Alors, le risque, hein, toujours, comme ça, c'est possible. Quand tu fais un traduit que tu le fasses en digital, ouais, c'est de un peu oublier c'était quoi ta direction lumineuse à la base. Et de se dire, bon, bah, là, sur mon dessin, à la base, ma lumière... C'est une sélection, Christine. Ma lumière, elle vient de là, grosso merdo. Si je commence à faire ma zozote, hein, et que je commence à placer mes ombres de l'autre côté, on va rater. Non, bon. C'est un truc con, on va dire, hein, mais... C'est pas forcément un truc con, mais je pense que c'est bon à entendre. Et Ganakel nous dit, mais du coup, est-ce que Christine est du genre à faire des calques pour chaque petit ajout ou un calque lumière, un calque ombre? Alors, en général, j'ai un premier gros calque ombre, mmh, et un deuxième gros calque lumière. Et puis après, je vais venir rebosser certainement par-dessus. Alors, soit je les affine eux-mêmes, mmh, avec en dessinant dedans ou en faisant un masque de fusion. Ou, voilà. Et puis après, je vais commencer à rajouter plein de petits calques. Ouais. D'autant plus que pour arriver au rendu, un peu comme pour la brindille tout à l'heure, je vais dépasser le rajout ombre-lumière pour venir redessiner par-dessus. Donc, je vais passer au-dessus du calque de dessin et... Je vais redessiner par-dessus. Et là, souvent, je vais petit pas par petit pas, mais au bout d'un moment, hop, je réassemble mes trucs ensemble. Parce que sinon, tu te retrouves avec... Bah, après, c'est pas obligatoire. Tu peux te retrouver avec un fichier avec plein de calques. Finalement, ça ne va pas et autant les écraser. Hein. Oui, au bout d'un moment, c'est avoir... Souvent, quand tu as plein de calques comme ça, c'est que tu n'es pas sûr de toi. Donc, du coup, oui, évidemment, autant profiter de ce côté... Christine, tu ne dessines pas du tout sur mon calque. Vilain, hop, je vais verrouiller. Ça te permet du coup de te sentir moins timide peut-être sur tes ombres et lumières. Mm-hmm. Mais une fois que tu te dis, oh, en fait, je suis content de ce que j'ai fait, ça ne sert à rien de garder 10 milliards de calques. Quoi. Et encore une fois, l'avantage...
c'est pas parce qu'on est sur Adobe France. Hein. Ce que j'aime bien avec Photoshop, c'est qu'il y a un côté, déjà, tu te trompes, on s'en fout, c'est pas grave, parce que très certainement, c'est rattrapable d'une manière ou d'une autre. Mm-hmm. Ce n'est pas le plaisir que tu peux avoir en tradi. Et de l'autre, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a vraiment... J'ai l'impression qu'il y a toujours 10 manières différentes de faire les mêmes choses. Ouais. Et du coup... le process peut vraiment s'accorder à ce que toi tu préfères, que tu sois très organisé, très rigide ou un peu plus bordélique, il y aura forcément une manière de faire le truc sur Photoshop qui correspondra à toi, ta manière d'appréhender le... Ouais, t'es pas obligé de tenir l'outil d'une certaine manière pour arriver à tes fins, quoi. C'est la vision que t'as en tête. Tout à fait. Mmh. C'est pour ça que moi, par exemple, je suis jamais sur Illustrator. Mmh. Alors, déjà, parce que je pense que rien qu'en, quand on voit ce que je fais, c'est beaucoup trop organique pour un truc comme Illustrator. Mais surtout aussi parce que si tu connais pas ton process, là, pour le coup, si tu connais pas la manière de faire, ça va pas le faire, quoi. Enfin, tu peux pas tellement improviser, à mon sens. Après, c'est vrai que du coup, c'est un logiciel sur lequel je suis très peu allée, donc peut-être que je suis pas la meilleure personne pour en parler. Peut-être qu'il y a des fans là d'Illustrator qui sont en train de... Je suis pas sûr qu'on ait rassemblé beaucoup de fans d'Illustrator sur un live dessin et painting. Pourtant, il y a des choses à faire, enfin, je veux dire... Oui, carrément, je sais bien. Je dois être un des rares survivants de cette gamme de gens-là. Marc nous dit Christine est inspirante et drôle. Mais c'est Marc Gadi, je connais pas. Parce qu'on a parlé un petit peu plus tôt de Marc Simonetti qui disait plus de 3 calques, c'est déjà 3 calques de trop. Il a raison. Hein. Il a raison ou pas. Je sais pas, en fait, c'est juste, ça dépend vraiment de comment on... Je pense que si tu as trop de calques, au bout d'un moment, est-ce que c'est vraiment utile, en fait? Mm-hmm. À un moment, il faut prendre une décision, il faut y aller, quoi. Ouais, de toute façon, moi, je pense que la partie calque, elle sert surtout quand tu sais que tu vas avoir des retouches. Quand tu travailles avec un client et qu'il ne sait pas s'il veut du bleu ou du jaune dans son ciel, sur sa boîte, bah, tu es contente d'avoir mis des calques et de ne pas avoir à tout reprendre. Tout à fait. Hop là. Non, Christine, toujours pas. J'ai envie d'ouvrir un nouveau fichier aujourd'hui. Hop là, donc on va se limiter à cette zone-là parce que... Ok, donc là, je me suis fait un petit calque rapide d'ombre. On va faire un petit calque rapide de lumière. Donc, ce qui est bien, je pense... c'est de peut-être pas trop tout de suite aller dans des valeurs trop fortes. Hein. De monter petit à petit. Bon, là, on verra. Peut-être que je vais éclaircir mes ombres et certainement recalmer mes lumières. Ce truc-là, je vais le foncer pour faire ressortir un petit peu... pour que le personnage puisse être un peu ouais. Plus isolé ouais. Sur la page. Parfait. Hop. Voilà. De toute façon, c'est plus ou moins prévu qu'à la fin, elle ressorte... sur un fond sombre, donc autant y aller tout de suite. Donc voilà, là, mon petit masque de silhouette, ne serait-ce que pour le... Voilà, c'est tout con, hein. Mais c'est 15 minutes, ou plus, hein, selon la difficulté, la complexité du dessin, c'est peut-être 15 minutes, ou 20 minutes, ou une heure, à se faire chier, à bien tout suivre les bords de ton dessin, mais après, c'est souvent d'autant de temps gagné quand tu dois rapidement poser les ombres et les lumières. Même sur certains dessins tout full digital, j'aurai un masque juste pour la fourrure, j'aurai un masque juste pour le bijou, j'aurai un masque pour la teinte de peau, j'aurai un masque pour les cheveux. Comme ça, à chaque fois... Je m'assure que je peux avoir quelque chose d'assez délimité. Voilà, donc
Là, on y va un peu comme un sagouin, mais c'est pas grave. Oui, de toute façon, le travail d'aplat, il est là pour préparer, pour gagner du temps par la suite, quoi. À fait. Ça peut vraiment être un moment super chiant, super relou. Mais bon, c'est le moment de se mettre une conférence chiante à écouter. Et puis voilà. Alors, j'ai beau dessiner beaucoup de femmes. Le moment où tu places tes ombres et tes lumières, c'est toujours un moment stressant. Parce que on a beau dire ce qu'on veut, c'est très facile de faire vieillir un visage de femme. Selon comment tu places tes ombres et tes lumières, d'un coup, des choses ne vont pas se marquer de la même manière. Et du coup, ça peut faire changer complètement l'attitude de ton personnage très rapidement. Je lui fais une sacrée paire de seins. C'est pas grave, on va y aller à fond. On va maintenir ça. Donc, bon, c'est d'une très, très grande beauté pour l'instant. À la limite, ce que je peux faire aussi, pour m'aider à voir si je suis d'accord avec ce que je fais, c'est tout de suite replacer encore un autre niveau de lumière. Peut-être un peu plus fort quand même. Hop. Allez, allons-y. Et me dire, voilà, sur quoi j'insiste. Voilà, est-ce que vraiment la lumière, hop, j'insiste un fond sur son visage. Ça n'a pas besoin d'être forcément hyper précis pour le début. Hein. C'est vraiment, hop. C'est vraiment histoire de Ah, si. d'identifier, de diriger l'œil. C'est histoire de se dire, ok, est-ce que je suis sûre de là où je vais? Est-ce que je suis contente du chemin que ça prend? Il y a un truc que je pourrais faire tout de suite, peut-être, pour m'aider à réfléchir. Il y a qu'à une ambiance aussi. Hein. Bah oui. Allez. Le niveau d'ombre supérieur, on va pas le placer parce que sinon après ça va être le bordel. On va commencer. Hop, du coup, là je vais éteindre mes calques. On va dire que je suis 100% d'accord avec ce que j'ai fait. C'est bien, On prend c'est en important soi. d'assumer. En soi, c'est pas trop, peut-être pas trop brillant les seins non plus, hein. Pas exagéré. Voilà. Du coup, là, je vais retourner sur mon calque d'ombre et puis on va y aller. Je reprends ma bonne couleur. On va aller plus en détail dedans. On va faire les formes joliment. On va mettre des dégradés si on veut mettre des dégradés. Sur les brushes que j'utilise. Alors, mes brushes, c'est juste. C'est un cauchemar. Dès que je vois un pack de brushes qui m'intéresse, je le télécharge. Et du coup, j'ai tellement, tellement, tellement trop de brushes. Et j'en utilise pas la tire du quart. Il y a un mème comme ça, avec le mème qui se retourne, le mec qui se retourne dans la rue. C'est parce qu'il a vu un. C'est un nana qui regarde, genre, quoi? Et j'en avais vu un comme ça avec un pack de brushes gigantesques et tout, qui est genre la nana du mec, et le mec il se retourne dans la rue, et en fait sur le brush rond de base. Et je pense qu'en fait c'est un truc qui est assez vrai chez moi. Ouais, mais Encore je pense que c'est un truc qui arrive chez beaucoup. Il y a plus. Sergei Kritsky qui postait justement un bazar de broches dans un appartement là dans un tweet cette semaine et lui avait carrément monté, il a monté Brocherator, je crois, pour organiser les brosses, pour pouvoir voir les tracés et tout. Un petit Tiens, plus je sais que les quelques fois où j'en ai des coups, hein, franchement, j'en ai chopé, je ne l'ai fait pas moi-même, hein, j'en ai chopé des superbes. Lui, Greg Rutowski, ça débroche un peu, il fait un rendu très. Très peinture à l'huile, c'est très beau. Du coup,
10 milliards de brushes. De temps en temps, j'en utilise un. Et puis, la texture est super. Et puis, je repasse sur une autre brush. Et puis après, je suis genre, merde, c'est lequel? Puis, je la recherche. Adobe, s'il vous plaît, créez une pipette pour les brushes, qu'on puisse les retrouver. Une pipette pour les brushes? Ouais, ce serait pas super d'avoir une pipette, genre, ça te trouve pas la couleur, mais ça te trouve le brush qui a fait cette forme. Waouh! Ah ouais, non, c'est chaud ça. Ça, autant, ouais. Moi je rêve d'avoir un. Comme dans toutes les fenêtres de l'application, un petit menu recherché, autant la pipette à brush, c'est tendu. Hein. Ou alors l'historique des brushes, parce que normalement, quand tu regardes ton panneau de brosse, t'as ton historique des dernières brosses utilisées. Donc peut-être pouvoir conserver ça par fichier. Un dessin que j'ai commencé il y a... Des fois, il y a des trucs qui traînent. Hein. Mmh. Sur les boulots perso. Des fois, tu fais genre, mais je me souviens plus du tout. Quoi. C'était quoi déjà ce truc? Je travaillais un peu plus, j'avais parlé. Il y a Mag, Patrice, qui m'a gentiment épelé Greg Rutkowski pour être sûr que je le ratais pas. Est-ce que je vais tout de suite sur un truc un peu plus. Ouais. Je vais les penser après parce que sinon, ça va être le bazar. On va rester sur la brouille dure. Puis on verra après ce qu'on a envie de faire plus doux et ou pas. Donc là, pour le coup, le but du jeu, hein, c'est de. Ça va être d'intensifier ce qu'on a déjà, quoi. Mmh. De mettre en valeur le. Hein. Des fois, tu crées une ombre en plus et t'es genre merde, je sais pas si j'en veux ou pas. On va dire que j'en veux. Et pendant ce temps-là, j'ai des gens qui réclament eux aussi une meilleure organisation des brosses, etc., etc. Donc, je vais vous poster le lien d'un truc que j'adore qui s'appelle feedback.photoshop.com parce que dans feedback.photoshop.com, on peut retrouver toutes les questions. Quand on a envie d'améliorer son Photoshop, c'est ici qu'il faut voter, en fait, parce que plus vous êtes nombreux à voter, plus l'application avance dans le bon sens rapidement. Ou alors, ouais, de toute façon, je vais dire un truc et puis je crois que l'avant est le tiède parce que ça existe déjà. Mais une palette à brosses, en fait. Ouais, ouais. Dire un endroit où tu réunis tes brushes que tu sais que tu vas utiliser et puis, tu vois. Ouais, mais le truc, c'est que justement, tu le définis, mais tu es obligé de la redéfinir à chaque fois. Alors que dans le brochérateur, le petit plugin de Sergueï, il y a cette idée d'organiser et de conserver ça. Ok. Alors, j'ai déjà entendu parler de brochérateur et je ne me suis jamais intéressée. Donc, du coup, c'était de ma part. Et puis, juste avant d'aller sur feedback, peut-être aller voir savoir ce qui se fait déjà. Voilà, donc, j'ai dit que je travaille un petit peu plus au fur et à mesure. C'est peut-être pas quelque chose que je ferais tout de suite d'habitude, ouais. Hein, mais on va dire qu'on s'est un peu rattrapé par l'horloge. Alors, il y a une remarque judicieuse de Yves, c'est perso, quand je prends un brush dans un set, hop, je le glisse directement dans la librairie qui va avec le dessin. S'il utilise les librairies CC aussi, mais tu peux imaginer ranger tes brosses dans des sous-dossiers, copier-coller une brosse et là... Et la réorganiser au fil du temps. Mais c'est vrai que tu perds un petit peu le côté spontané du truc. Mmh. Ouais, mais c'est... Ouais. Intéressant comme ça. Et Laura qui voilà. Me dit, tu peux même garder ta fenêtre affichée et tout, mais il faut avoir un grand écran. Un écran qui est grand, mais quand même. Peut-être pas ce point-là. Je voulais dire un truc et puis j'ai complètement oublié parce que j'ai vraiment un processeur tout petit, moi, à l'intérieur. En même temps, oui, non, alors c'est vrai que je peux être un petit peu
même si quand c'est professionnel, j'essaie vraiment au maximum d'avoir des fichiers qui sont organisés. Hein. Mmh. Parce que je sais pas si à un moment l'éditeur il va en avoir besoin pour autre chose. Donc, du coup, faut que le fichier il soit lisible par quelqu'un d'autre. Ou ne serait-ce que quand je travaillais vraiment avec Maëva et que bah du coup c'est quand même sympa si elle doit prendre le fichier qu'elle puisse le lire. Mais c'est vrai que pour mes travaux perso, j'ai tendance à être un petit peu plus brouillon et à pas être suffisamment organisé pour penser à ce genre de choses pour tous mes ouvrages, quoi. Du coup, là, je pense que pour tout ce qui est fourrure, je ne veux pas faire ça maintenant, mais très certainement, je pense que là, pour le coup, j'irai chercher des brushes un peu plus texturées pour profiter tout simplement de ce qu'apporte Photoshop là-dessus, quoi. Quand même, ce que je vais faire là, c'est que je vais commencer à baisser un peu l'opacité de mon truc. Voilà. Je suis très souvent à. Je bosse. Comment dire? Je dépasse de partout, puis je sais que je peux m'après. Je pense que c'est pas mal comme manière de voir les choses, quand même. Ouais, parce que ça te laisse le temps de t'imprégner du trait. Pas chercher spécialement à être propre. Voilà. Pas chercher à m'arrêter. Et puis, de toute façon, après, je sais qu'après, j'enlève mon trait, je vérifie à quel point ce que j'ai fait en dessous est dégueulasse ou pas. Parce que des fois, il y a des ombres qui se baladent. Par exemple, sur le bijou, là, j'ai des trucs clairement... Ouais. Qui sont perdus dessus et qui mériteraient un peu plus de... J'enlève mon calque de dessin pour être sûr qu'en fait, il n'y a pas une ombre qui salisse quelque chose quelque part et je m'en suis pas rendu compte. Il y a Laura qui insiste en se disant peut-être tu verras mieux tes valeurs en masquant la sélection. En masquant la sélection. Tu sais, le contrôle H, enfin pas commande H sur le Mac. Parce que je crois que les petites fourmis qui bougent sur le côté, ça lui fait trop peur. Ah ! Ah oui, c'est vrai. Alors, j'ai complètement l'habitude de ça, mais c'est vrai que ça... Ouais, non, t'inquiète. T'es chez toi. C'est pas forcément bien à regarder pour les gens à l'extérieur. Hein. C'est vrai que moi, j'ai vraiment l'habitude, mais... Non, mais je pense qu'elle essaye de soulager ton workflow. Là, pour le coup, sur la manche, ça peut être aussi l'occasion de... retravailler et peut-être aller faire une texture plus satinée. Du coup, je vais un petit peu en amont du truc, mais... T'as déjà une brosse exprès pour faire du satiné sur les manches ? Alors non, j'ai pas de broche exprès satinée, mais dans ces broches-là de Rutowski, il y a deux broches qui sont vraiment très très bien pour refaire un trait de crayon. Ces deux broches-là sont vraiment exceptionnelles, je trouve. C'est-à-dire que tu as sur le dessin, pouf, à cette échelle-là, ça c'est pas tellement visible. Quand tu commences à zoomer, ça se voit. Et toute la botte-là est en digital, et je trouve que ça... Oui, ça se voit pas du tout, et ça s'intègre complètement. Tout à fait. Et encore, dans son set de broches, il y a deux, trois petites choses comme ça, très, très texturées. Bon, c'est les mêmes, hein, mais si tu... Je vais faire un calque pour ça. Si tu les... Tiens, t'es un peu plus foncé, Christine. Là, tu peux vraiment... Oui. Je sais pas, vraiment... retrouver de la matière et comprendre. Ça permet... Là, ici, au niveau du ventre, là, sous cette botte-là, au niveau de la chaise, ça m'a permis de créer des ondes globales texturées. Voilà, ils sont vraiment qui dénotent pas avec le reste du boulot, quoi. Ploup, ploup. J'étais où? J'étais là.
Voilà, non, et j'avais mis un cac au-dessus pour montrer ce que je voulais dire. C'est-à-dire que certainement, à un moment, qui ne devrait pas être maintenant, mais c'est pas grave, on s'en fout, revenir, recréer peut-être un contre-reflet. Voilà. Pour essayer de. Alors, soit je dégomme mon ombre, je gomme mon ombre, c'est Christine avant de dénoncer, tiens. Soit je gomme mon ombre, soit je vais venir comme ça avec une broche texturée pour revenir dessus. C'est peut-être quelque chose que je ferais plus pour un contre-reflet fort. Genre, c'est ce contre-reflet que tout le monde fait ces derniers temps et qui fonctionne bien. Je me lâcherai avant les deux, mais bon. Voilà, qui nous permet en plus un peu de reséparer les volumes. Et alors là, du coup, je vais enlever ma sélection parce qu'elle me gêne. D'où l'idée de pouvoir la garder sous les yeux quand même. Oui, bah oui, mais c'est pour ça que moi j'ai l'habitude d'avoir de la. De l'avoir en visible. Ouais, de l'avoir en visible. Simplement parce que, bah, quand t'as l'habitude, elle te gêne pas et puis t'oublies pas le moment où tu l'as ou tu l'as pas. Bon, après, c'est subjectif. C'est vrai que si tu commences à faire des gros détails, oui, la sélection va commencer à être un petit peu enquiquinante. Ça, c'est sûr que ça peut être un peu déconcentrant. Enfin, je fais les trucs rigolos avant la base, mais bon. Oui, c'est parce que tu sais que c'est pas aujourd'hui. Le marathon de dessin, ce sera pas pour. Alors. Bon, c'est pour représenter aussi un peu succinctement ce petit process, quoi. Hop. Pas trop fort là-bas non plus, sinon ça n'a pas de sens. Ces broches, elles sont vraiment géniales. Non, mais vraiment, quand c'est. Je sais pas, c'est juste à bonne échelle. Ça fonctionne vraiment très bien. C'est ça qui me. En fait, c'est toujours ça qui m'ennuie un petit peu avec les. Non pas que ce soit un vrai problème en soi, mais sur les broches qui reproduisent le traditionnel, soit il y a un côté aléatoire, complètement imprédictible, où ta broche, elle grossit, elle dégrossit, elle change de couleur, et puis tu peux pas travailler de manière fixe et certaine dessus, quoi. C'est le genre de heureux accident à la Bob Ross, mais en mode, genre, là c'est l'accident total, tu sais, tu contrôles plus rien, c'est genre, t'as lâché le volant. C'est pas juste des petits sapins. Ouais, c'est pas juste des petits sapins. C'est soit c'est ça, soit tu vois les patterns qui se répètent beaucoup trop, soit. Et là, avec cette broche-là, c'est vrai que pour le coup, elle me plaît bien. Je me sens pas comme d'autres brosses où je suis merde. Ça se voit vraiment que c'est une brosse en digital par-dessus. Ouais, on a eu tout le mois de septembre, il y avait un jeu concours sur la chaîne Adobe et autour des dernières brosses réalisées par Kyle Webster, sur lequel lui s'est inspiré beaucoup de Keith Haring, où il a repris en fait tout le trait, donc tu retrouves des brosses avec du spray, avec de la craie, avec du plastique frotté sur les murs et de la texture et tout. Ça fait très très plaisir là-dessus, et il y avait un concours justement en mode défendez votre cause et réalisez votre illustration. Je crois que les résultats ils vont tomber d'ici quelques semaines. C'était assez chouette. Clairement, les lumières comme ça, je vais les recalmer après. Plume, j'ai peint si j'ai un truc global.
Hop. Ouais, c'est bien ça, pardon. Hop. Voilà. Hop. Je vais venir rechoper ma couleur, c'est ça qui est un petit peu casse-bonbon des fois. Donc là, je me tâte. Je pense que peut-être je ne vais pas aller trop dans les choses floutées. Je vais rester sur des ombres assez découpées. Parce que le but du jeu, c'est de ne pas tomber trop dans le dans certaines douceurs, voire mollesses. Que peuvent offrir les dégradés en digital. Mmh. En tout cas, moi, je sais que c'est un vrai risque pour moi de tomber là-dedans. Donc, du coup, je préfère rester sur des ombres très découpées, puis revenir peut-être gommer dedans. Adoucir, estomper. Soit avec une broche un peu texturée, soit un peu plus flou, mais... Je sais pas s'il y a une brosse d'estompe papier toilette à la Sienne Talentar. Faudrait l'inventer. Je pense, ouais. Parce qu'en vrai, tout le grand aigle là tout à l'heure, c'est de la poudre de graphite sur papier toilette. Hein. Ah bah tu vois. On ne voyait pas à cette distance-là. Il y a une... C'est-à-dire que la base est faite comme ça. Après, tu reviens par-dessus pour... Pour mettre toutes les aspérités. Non, pour mettre le détail, pour mettre les aspérités. Pour, oui, c'est sûr que sur des grandes surfaces comme ça, le moment où tu découvres la poudre de graphite et le PQ, ça change tout. Ça change tout pour les grands formats. Hop là... plume. Ah, ça m'ennuie en fait. Hop, comme ça plutôt. Si jamais il y a des questions. T'inquiète, pour l'instant ça a l'air plutôt calme. Je continue de leur poster des liens régulièrement. Alors là, pour le coup. Pour ce dessin précisé, spécifiquement, je pense qu'il peut y avoir un vrai intérêt à retoucher en digital pour bien faire ressortir les bijoux, ce qui n'est pas forcément super le cas sur le dessin original. Mmh. Je pense qu'il y a des choses à faire pour que cette grosse pièce-là ressorte un peu mieux. Du coup, on va peut-être rajouter quelques ombres en plus. Oh, j'avais dit que je montrais mes références, je ne l'ai pas fait. On peut faire ça vite aussi, bah oui, je ne sais pas. Carrément, on est toujours chez toi, vas-y. Ça intéresse les gens ou pas, parce que... je vais faire un pommes, tiens. C'est bien aussi. C'est intéressant les pommes. Non, mais alors je fais ça parce que c'est vrai que... c'est toujours bien de se remettre le nez dessus. Bah, c'est même pas ça, c'est que je trouve que c'est intéressant de le montrer tout simplement pour les gens qui parfois n'osent pas en fait. La question de est-ce que c'est viable ou pas, est-ce que c'est triché, pas triché. Et je dis ça en connaissance de cause, hein. C'est vrai que même des fois je me dis dans quelle mesure c'est de l'inspiration, dans quelle mesure c'est de la copie, enfin. Et puis après, quand tu regardes beaucoup de gens très bons en dessin et souvent plutôt photoréalistes, on va dire quelque part, clairement, évidemment qu'il y a de la référence. Hein, genre, personne ne dessine comme ça dans sa tête. Et du coup, je trouve ça bien d'y penser et de le montrer. Donc du coup, voilà, pour ce dessin-là... c'est parti d'un truc tout bête. J'ai trouvé une photo de pose, hop là, de cette dame-là avec son poignard.
Je l'ai mixé avec ce mec-là. Et puis, du coup, il ne faut pas hésiter à se prendre en photo soi-même. Hein. Je me suis repris en photo mes mains pour que ça colle bien. Et le, puis, du coup, le fameux miroir de l'animateur. Hein, et, franchement, il n'y a que ça de vrai, quoi. Trouver quelques photos rêves de costumes. Donc là, j'avais un truc super bouffant sur ses bras et tout. Donc, c'est une très, très bonne référence. Des références pour les bottes, des références de tissus, de motifs. Ça, je me suis demandé si j'en ferais pas des motifs. C'est quelque chose que je verrai, je pense, certainement à la toute fin, après les valeurs, savoir si c'est quelque chose que je rajoute dans Photoshop, sans le plaquer, hein, forcément, même si je le dessine et que je suis bien les volumes et tout. Mais voilà. Et puis, des références pour les visages, même si je les copie-colle pas, hein, ça peut être des références pour avoir la bonne perspective, parce qu'il y a un trait de visage qui te plaît, ou... Pour que la lumière tape au bon endroit. Et... Bon, juste parce que ça t'inspire, parce que voilà, cette image, elle pense à quelque chose, et puis c'est cool, quoi. Voilà. Évidemment, on ne remerciera jamais assez Pinterest pour toute la référence. Parce que Pinterest, franchement, c'est un peu la vie de la référence, quoi. J'aurais adoré avoir Pinterest quand j'étais étudiante. Après, du coup, comme tu disais, tu passais ta jeunesse dans les musées, tu passais du temps dans les livres. Oui, j'ai passé pas mal de temps au musée, vraiment. C'était, je sais pas, pour beaucoup de gens, les vacances, ça peut être la plage. Pour moi, les vacances, c'est aller au musée, quoi. Vraiment, c'est quelque chose qui était... Et bon, c'est vrai qu'étant petite, peut-être que j'aurais adoré aussi aller à la plage, mais je suis très contente de cette... de ce que ça a créé chez moi. Ça a beaucoup influencé mes goûts, ça a beaucoup participé de ce que j'aime maintenant, quoi. On forme ses goûts tout petits, et bon, bah voilà, mes goûts se sont formés là-bas, quoi. Je regrette pas. Je regrette pas du tout. Bon, c'est vrai que des fois, j'étais peut-être un petit peu à côté de la plaque sur tout ce qui était référence plus moderne, mais non. Ouais, après, je suppose que de toute façon, si l'univers dans lequel tu te sens à l'aise, dans lequel tu t'exprimes... correspond et plaît en plus à ton public, à tes clients et tout, il n'y a pas de raison. Quoi. C'est... Tout à fait. Puis, bon, après, j'ai envie de dire, it is what it is, quoi. Ça, de toute façon, c'est comme ça de toute façon. Après, en tant qu'adulte, tu peux changer si finalement ces choses-là ne te correspondent pas, quoi. Mais ouais, moi, ça a beaucoup. Je pense que ça a beaucoup marqué les premiers goûts, quoi. Ça n'a vraiment aucun rapport, mais il y a un truc qui m'a marqué, j'ai vu dans une vidéo il y a quelques temps. Je sais pas si des gens regardent cette youtubeuse-là, ContrePoint. Bon, ça n'a aucun rapport avec le dessin. C'est une nana qui parle beaucoup de sujets de société et tout. Elle a fait une vidéo sur l'opulence, l'esthétique de l'opulence. Elle expliquait tout simplement que quand elle était toute petite, son plaisir, c'était son premier plaisir, c'était d'aller au musée et de regarder les gemmes briller. Tu sais, quand tu vas au musée d'histoire naturelle et que tu vois les pierres briller et tout, et que c'est un truc. C'est un premier plaisir qui est très très fort, et qui reste après dans tes c'est des choses qui formalisent beaucoup tes goûts. D'accord. Et je pense que moi, mes premiers trucs comme ça a été dans des musées, sur des peintures, ou des armures, je sais pas, tu fais un château, il y a une armure, et t'es juste genre, waouh, c'est beau, puis ton imaginaire se développe autour de ça, quoi. Bah écoute, ouais, moi je connaissais pas du tout son truc. Effectivement, celle sur l'opulence, elle est tellement brillante, et ça shine de partout, quoi. Oui, ça chaîne de partout, beaucoup plus bien. Ouais. Glitter et brillant, et jewelry, tout ce que tu veux, trop bien. Ouais, après, c'est quelqu'un, au-delà de cette anecdote, c'est quelqu'un très important.
rapport avec le dessin, mais je dis ça, j'écoute beaucoup de choses quand je dessine, plus que de la musique. Beaucoup les gens parlent. Donc, est-ce que on va dire que je suis contente ou pas? Je vais dire que c'est pas trop mal. Maintenant, je vais texturer un tout petit peu. J'attends ton stop ou encore. Je non, sais t'inquiète, que... écoute, c'est du encore pour l'instant. J'ai le public qui est là, les gens sont ravis. Ceux qui devaient partir chercher des enfants à l'école sont partis, d'autres sont revenus parce qu'ils finissaient plus tôt, donc tout va bien. D'accord, tout, ok. Bon, tout bah, se passe très bien. mieux. Après, on fera pas 6 heures de dessin, mais on peut encore, on peut avancer un C'est petit bon, peu. je vais avancer, hein, donc on me donne le stop. Parce que si j'écoute le public, je suis sûr que si je leur dis alors stop ou encore, on va avoir 63 encore d'un coup. Donc ça, je m'inquiète pas et j'en profite. J'attends que ça te partir. Ouais. Ah oui, Pardon. ceux qui veulent partir, vous partez maintenant et vous ne répondez même pas à la question. Allez, hop. J'ai fait un flou là et ça me plaît pas. Ok, bah c'est pas grave. Ah ouais, j'ai du mal avec le flou. C'est un truc que ça me plaît pas. Ouais. Ouais. Yeah, oui. Donc là, du coup, je suis passée avec une autre broche pour retexturer un petit peu, pour éviter que ça fasse trop découpage sur le. Je sens que cette épaule, elle va m'énerver. Elle va me titiller, cette épaule. C'est pas grave. Oui, donc voilà, donc, pardon, je me coupe moi-même la parole. Je suis passée sur. Je peux texturer pour éviter que ça fasse trop découpage. Ouais. Et voilà, et il n'y a que sur sa joue que ça ne me gêne pas trop. Ouais, où tu peux te permettre d'avoir ce genre de d'espace. Est-ce que du coup je vais faire promesse et est-ce que je récupère l'ombre là? Est-ce que ça va être caca ou est-ce que ça va être bien? La texture est bizarre. Du coup, on a du encore, on a la question est vite répondue. Je ne dirais pas qui a écrit ça. Vous pouvez envoyer 1, 2, 3 ou 4 ou 5 ou 6 au numéro. C'est un numéro légèrement surtaxé. La question est vite Et répondue. Andy nous promène son chien et nous suit quand même. Oh, wow. C'est Le dangereux petit de se casque. promener avec un téléphone portable sans regarder la route. Plum plum, tralala. On va passer, même si c'est pas bien poussé partout, on va aller sur le niveau de lumière supérieure. Et là, je pense que je vais retailler dedans. Je trouve que ça fait trop de lumière partout. Que ça fait trop Et du coup, en du zone. redécoupage et revenir sur le modelé à la fin. Tout à fait. Tout à fait. Alors, je sais plus qui me disait tout à l'heure dans le chat, est-ce que tu travailles avec des masques? Et non pas, est-ce que tu travailles avec un masque? Alors, si on parle de masse de fusion, oui, tout à fait. Beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors là, évidemment, c'est l'occasion de ne pas en utiliser, hein, en Oui, non, mais disant. c'est le principe. Regardez surtout pas ce que je fais. Quand je suis pas sûre de moi. Premier truc, et puis si je suis pas sûre, je regomme avec un masque de fusion ou pas. Excessivement utile quand tu es avec un client et tu sais pas si c'est lui qui va changer d'avis. Ouais.
Ouais, parce que tu peux avoir ce truc-là où toi, t'es très décidé et finalement, le client va revenir et va te réorienter toute l'illustration. Tout à fait. Et du coup, avoir le truc original dans lequel tu peux redécouper ou pas, je crois que je traite la lumière sans l'ombre. Ouais, un point inversé. Puis on verra si je suis contente après. Je dis, on fait un dernier focus sur le visage. Allons-y, un dernier focus sur le visage. Ouais. Hop. C'est normal, j'ai baissé l'opacité. Pas ma couleur. Ouais, pas beaucoup plus, parce qu'après, je voudrais faire quelques brillances par-dessus. Alors pour le coup, on va abandonner ça. Toujours retrouver le bon équilibre, la bonne brosse. Alors là, mais bon, encore plus, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, sur les visages féminins, y a vraiment le risque de, si tu textures trop, pas au bon endroit, de vieillir le visage ou. Pas qu'il n'y ait pas le droit à voir des femmes plus âgées, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Bien au contraire, mais c'est pas ce que tu cherches, c'est pas ce que tu cherches. Et d'ailleurs, fun fact qui n'en est pas un, j'ai passé des années à pas dessiner de femmes, je trouve ça trop compliqué. Alors, Je trouve ça trop compliqué. à quel moment t'as fait le changement? Est-ce que Parce tu... que non, ça c'est juste, je veux dire un truc qui est bête. Les femmes, c'est beau. Au bout d'un moment, t'as envie d'en dessiner quand même. Mais non, en fait, c'est parce que bon, de manière plus un peu plus sérieuse. Surtout dans mes travaux perso, comme celui-là là qu'on voit, j'aime bien thématiquement. Apporter, partir de quelque chose de qui est plutôt masculin à la base, et c'est une femme qui est dedans. Donc, pour ce dessin-là, c'est pas forcément hyper évident, hein. Attends-toi. Pouf. L'idée, c'était d'avoir, bon, c'est pas forcément le truc que j'ai le plus réussi, mais d'avoir une pose un peu, peut-être un peu masculine, un peu avachie avec le mec, avec ses bagues et tout. Mais de le rendre, bon, déjà de mettre une femme dedans et de le féminiser en enlevant la veste, tout ça, et de la mettre torse nu sous ses fureurs. C'est ses frérières. Mais c'est par exemple ce que je fais beaucoup quand je fais les nanas en armure. Et j'ai un peu évolué avec le temps, mais au début, je faisais vraiment des armures très massives. Pas très massives, plus massives. Vraiment des modèles. Plus masculin et peut-être même un peu plus, surtout actuel, historiquement parlant. C'est-à-dire pas de boobs en armure. Ce qui m'arrivait de faire, on finit tous par craquer à un moment ou à un autre, même si c'est vraiment pas du tout bien. Mais voilà, donc c'est quelque chose que j'aime bien. Et donc, du coup, comme c'est quelque chose que j'avais envie de faire, bah, je me suis mis à dessiner plus de femmes, quoi. D'accord. Un cac par-dessus et puis je monte un tout petit peu en lumière. Peut-être faire quelques brillances, peut-être voir si même c'est pas le moment d'utiliser une broche plus texturée. Réussir à juste garder le petit réo, Tout à le fait. petit spéculaire comme ça.
pas assez. C'est marrant parce que c'est vachement sombre, mine de rien. Enfin, tu vois, t'es loin au-dessus du 50%, enfin, en dessous du 50%, et pourtant, t'as vraiment l'impression d'avoir une grosse lumière qui est dessus. C'est marrant, hein? Ouais, la vie du contraste. Du coup, mais surtout, hein, c'est l'intérêt. Alors, c'est pas forcément très, très, très bien parti comme ça, hein, mais c'est vraiment l'intérêt de monter ces valeurs tout doucement, c'est-à-dire de ne pas partir des contrastes très, très forts, parce que déjà, je pense que ça facilite les erreurs de dessin, tout simplement, et aussi parce que, ben, t'es déjà à 100 à l'heure, quoi. Tu peux plus appuyer sur la pédale, quoi. Donc, c'est dommage. Il y a Sabrina qui nous abandonne, qui dit allez bisous, j'ai une réunion. Merci Christine, c'est beau. Autant ce que tu dessines que ce que tu dis. Oh. Merci Sabrina. Vas-y. Ah. Tout ça, ça fait un peu prêter le hard weekend, mais bon, c'est un autre sujet. Est-ce que. Non, là, je vais vraiment y aller doucement. C'est le moment où tu foires tes volumes. Oui, sinon c'est pas drôle. Sinon, c'est pas quoi. Sinon, il n'y a pas de challenge. Avec les. Vraiment avec les broches trop douces. Bon, il y a Yves qui est en train de redécouvrir Illustrator parce qu'il me dit un truc qui serait sympa, c'est de pouvoir remplacer les traits faits avec la brosse A par ceux de la brosse B sans avoir à tout retracer. Suis d'accord avec ce que je fais. Très sincèrement, alors là, pour Illustrator, vous allez me perdre. Parce Non, que. t'inquiète. C'était juste une. C'est moi qui ai dit Illustrator, parce que c'est très clairement ce que tu peux jouer dessus. Vu que t'es que sur du vecteur et du style. Alors que non, là, t'as tout le plaisir au plus aussi de prendre, reprendre, de creuser, presque de modeler ta matière. Tout à fait. Allez, c'était pas si mal. C'était pas si mal. Les cheveux aussi. Christine, hop, cliquez. Là aussi, justement, là, c'est le moment de pouvoir bien reséparer les cheveux, la ligne de cheveux de la couronne, en prenant le digital comme ça, c'est sur le papier, ça c'est un peu confondant. Et comme je suis pas sûre de me jouer un nouveau calque, je vais remonter encore un peu la lumière. Un peu plus fort cette fois quand même. Les yeux aussi, ça mériterait d'être un peu plus retravaillé. J'aime très dégueulasse là. Xbam qui nous dit énorme le dézoom de l'image plus le recul sur l'écran. De voir de loin, de plus loin. Oui, c'est vrai. Prendre vraiment le temps de. J'ai fait un chemin en place par avant, on va dire qu'il ne se verra pas trop. Mais ça passe.
Oui, il faut prendre le temps de. Enfin, prendre le soin de bien zoomer et dézoomer parce que sinon tu fais des bêtises. Et là. Je pense que ça va pas être retenu ça par contre. Non, c'est trop agressif. L'engagement reste physique, même sur le numérique. Ouais, ça prend tellement vie. Tout à l'heure, t'étais juste tout au début que sur des gros aplats de très loin. Et là, on se retrouve vraiment sur du détail. Alors, bon, après, là, on avance vite pour un peu pour la démo. Hein, parce que sinon, il n'y aurait pas un petit résultat sympa à la fin. D'ailleurs, là, je ne passais pas dessus, mon frère. D'accord, je vais faire dessus mon truc. Et je vais commencer. Récupérer des lumières. Regarder peut-être des trucs. Il y a Andy qui nous demande si tu utilises la symétrie horizontale pour avoir un autre visu de ton travail. Alors, je fais quasiment jamais et je sais que c'est une erreur. Donc, faites pas comme moi. Utiliser la symétrie. Voilà. Encore plus quand c'est pour un éditeur et que des fois, pour une raison XY, pour une pub, c'est plus pratique que le personnage soit dans le sens. Et là, tu regrettes. Et tu le découvres qu'à la fin, genre, ah ben non. Ce personnage ne marche que dans un sens. utiliser la. Allez, on se perd deux secondes. Ah non, mais attends, pas du tout. Oh merde, non, pas du tout. Alors tu peux faire ça, mais regarde, va dans affichage. Menu affichage. Symétrie de la zone, symétrie axe horizontal. Et alors le truc magique de ça, c'est que ça le fait sur ta carte graphique, donc ça va vachement plus vite. Et tu gardes ton sens original. Il y a des schmurfs sur le visage. Il y a des trucs. Ouais. Ouais. Là, du coup, le cou un petit peu plus penché qu'on ne sentait pas de l'autre côté. Du coup, affichage. Alors, moi, je propose qu'on la remette sur son centre original. Ouais. On la regarde plus comme ça, que tu fasses un FF. Ah non, deux. Un où il n'y a plus rien, voilà, ouais. Très bien. Il va en faire trois, en fait. Et du coup, qu'on se dise que pour l'instant, on est plutôt pas mal, parce qu'on a déjà perdu tous les gens qui étaient sur Beyond. J'espère qu'ils auront retrouvé le lien du YouTube. Merci beaucoup, Christine. C'était cool. C'était très, très chouette. Merci.
Je pense qu'il y avait tellement, tellement de choses à voir, tellement de choses à regarder, tellement de contenu. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce Art and Talk. C'était une bonne chose justement de pouvoir échanger avec vous et de pouvoir retrouver donc les différents contenus, les différents artistes, etc. Pour ceux qui ne le savent pas, les sessions Art and Talk ont lieu très régulièrement. Et cette semaine, donc je reçois Christine, mais dans quelques semaines, on recevra Geoffrey et Arnaud qui sera avec nous. Vous pourrez retrouver tout ça directement sur la page france.iamag.com. Comme ça, je vous mets le lien dans le chat. Hop. Retrouver Geoffrey et les prochains artistes et même les précédents parce qu'il y a eu beaucoup de monde. On a eu tout à l'heure Sabrina qui était dans le chat avec nous et qui est déjà intervenue aussi sur le live. Hop. Donc voilà, vous avez tous les liens pour mettre tout ça. Et donc merci à tous, merci à toi et Merci à vous. à très très bientôt. Au revoir. Au revoir.